Hello, hello les amis, on se retrouve pour une petite vidéo donc de FIFA 13. C'est toujours évidemment la démo, malheureusement. C'est pas le jeu final. Donc une petite démo, voilà, un petit peu. Alors ma manette ne marche pas, si. Ah, si, ça marche. Donc une démo un petit peu, une vidéo, pardon, un petit peu spéciale car vous le voyez, je suis totalement en fuma. D'ailleurs, je ne devrais pas dire totalement, puisque Fuma veut dire full manuel. Donc totalement en manuel. Voilà. Donc je suis pas un joueur Fuma. Et en plus, j'ai décidé de corser le truc en plus. C'est que je vais jouer. Alors, est-ce que je prends Arsenal? Je vais jouer contre l'ordi en légende. Chose qui n'est pas aisée. Encore plus en Fuma. Encore plus si je prends Arsenal. Mais je vais prendre Arsenal. Et on va pousser le vice même plus loin. On va prendre la meilleure équipe du jeu. Enfin de la démo. Manchester City. Voilà. Histoire vraiment, voilà. Je vais être content là de perdre 4-0. Non mais pour tout vous dire, j'ai déjà fait des matchs donc. Donc je suis un joueur futo, je fais des matchs en légende, donc à cette démo. En général, ça va, je m'en sors plutôt bien. Là pour le coup, en FUMA, j'ai pas gagné un match encore. J'ai pas gagné un match, je peux même dire même que j'ai perdu tous mes matchs. Donc voilà, comme ça c'est dit. Bon, j'en ai pas fait énormément non plus. Je vais en faire... Ah, je sais plus, je saurais dire moins de 10. Ah, bref, de toute façon, voilà. Vous voyez, donc commentaire à 0. Donc là, on touche pas évidemment. Je vais pas toucher à ça. Voilà. Donc gestion d'équipe. Donc voilà, c'est toujours la version PC. Et vous voyez peut-être que j'ai donc j'ai Song et Van Persie là. On les voit. Alors. Je sais pas quoi, à quoi c'est dû en fait. Quand j'ai eu la démo, il n'y avait pas de soucis. J'avais les mises à jour finalement, les derniers transferts. Mais donc j'ai installé un patch donc sur cette version PC pour avoir la mi-temps plus longue. Et il me semble que c'est depuis que j'ai installé le patch. Alors je sais pas, vous me direz si c'est pareil pour vous. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Je crois que j'ai tout montré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, bah c'est tout. Je vais jouer donc caméra coop. Ah, ça c'est un petit bug de. Ouais, ça aussi c'est un petit bug. En fait, là ça utilise la vue que vous avez. Alors que pour revenir finalement après. Donc là c'est la vue coop. Pour revenir finalement après à la vue traditionnelle de l'entraînement, bah, pour cet entraînement-là, cette vue-là, voilà. Donc voilà, c'est un petit bug, c'est pas très grave. Bon, on va commencer le match. Donc Arsenal, Manchester City, Fuma Légende. Ça s'annonce bien au niveau des buts, en tout cas pour Manchester City. Moins bien pour moi, mais on va pas se laisser décourager, on va essayer de... Ah non, s'il marque là direct. Ah non, 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 mais là ça va pas. Ça va pas, 2 minutes de jeu. J'ai à peine touché un ballon qui frappe déjà le poteau. Voilà, ce que je disais, c'est que je vais essayer quand même hein, de faire mon jeu habituel, c'est-à-dire. Un jeu voilà, un jeu court en longue séquence de passes, mais ça va pas être très long apparemment. Sauve-moi ça, c'est quoi, c'est là-bas, c'est le poteau. Oh là là, mais c'est quoi ce truc de fou? C'est un truc de fou. Ça commence bien.
Je vous dis, ça va être chaud. Déjà en légende, c'est difficile, mais là en plus, si je défends mal, ça va pas le faire. J'ai pas joué beaucoup là ces derniers temps en plus. Ah là là, bon là, faut que je me reprenne. C'est vrai que là, en plus, si je me prends un but, ça va être difficile derrière d'aller marquer. C'était une belle balle quand même ça. Ah, si j'arrive à la mettre à Walcott là qui partait sur le côté droit. C'était pas mal. Donc là, il va falloir que je me concentre un peu pour la défense. Bon, je vais essayer quand même de quand même de parler parce que c'est pas. Ah là là, ouais, mais là, ah, c'est difficile. Hein. Donc ouais, ils arrivent quand même bien. L'ordi de toute façon, lui, en légende, il a pas de soucis avec les passes. Voilà, je lance un peu mon. Allez, j'ai la vidéo. Il n'a pas de soucis, il fait très peu d'erreurs de toute façon. Et en général, il profite bien des nôtres. L'erreur qu'il n'arrive pas forcément à éviter tout le temps, c'est le first touch control, donc. Voilà le first touch control. Donc on peut facilement récupérer le ballon. Voilà, quand enfin, on peut facilement, c'est relatif bien sûr, mais ça lui arrive de temps en temps. Voilà, quand on presse bien, il peut parfois enchaîner les mauvais contrôles. Là, j'aurais pu. Oh là là, heureusement que je tacle parce que là. Ça va pas. Il faut que je reprenne un peu la défense en main parce que oh là là, ça c'est mal donné. Et oui, le fumage difficile, hein. Vraiment difficile. Les joueurs de fumage qui regardent cette vidéo, vraiment, ne vous moquez pas. J'ai vraiment pas beaucoup d'expérience. J'ai joué quelques matchs online en FUMA sur FIFA 12. Voilà, là, et là je fais un peu n'importe quoi avec la défense. Ah, donc Arsenal, voilà une équipe que j'aime plutôt bien. Dans le jeu ou même en vrai. Ouais, mais voilà, là je peux pas faire 36 000 passes parce qu'à un moment donné j'y arrive plus. Bon, le problème c'est que donc en FUMA et d'autant plus en légende, c'est que on va vite perdre la balle et que donc du coup finalement l'ordi va avoir souvent le ballon et ça fait dès que l'ordi a le ballon, de toute façon il arrive quasiment à chaque fois à être dangereux. Là, on a vu là, voilà, le first touch control qui m'a clairement servi. Germinho qui est bien parti. Ah ouais, non, mais là, voilà, ça c'est difficile à faire, c'est jouer dans la rapidité quand on doit aller vite. Forcément, on a moins le temps de réfléchir à la trajectoire idéale de la passe. Et voilà, mais bon, c'est sûr que les joueurs FUMA, les joueurs habituels FUMA, après, c'est un réflexe à avoir vraiment. Là, moi, je suis plus là dans la. Je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Et je le fais, alors que. Ah, je peux rien dire là. Je peux rien dire. Carlos Tevez, Carlito. Bon, bah voilà, bah, j'ai tenu 38 minutes. 38 minutes fictives. Maintenant, le plus dur va être d'attaquer et se créer des occasions.
c'est bien ça, Walcott. La passe un peu moins bien. Ouais, ça c'est pas mal donné quand même. Ah, les centres, ouais, voilà. Ça, les centres, les tirs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile en FUMA. Il faut vraiment de la pratique pour bien, surtout les tirs. Vous avez vu que les tirs là, c'est. Voilà, vous avez vu, vous voyez mes passes à peu près, donc là, bon, ça peut aller. Vous avez vu mon centre. Et eh ben, vous avez pas encore vu mes tirs. Là, voilà, juste là, j'ai l'occasion. Là, c'est gratuit, hein. C'est un coup franc, donc on peut tirer, on va tirer. Je veux pas jouer la passe. On sait jamais ce que ça peut faire. Ouais, un peu trop fort. J'en ai mis avec Pirlo, un peu dans ce style. Ah là 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 là. Il faut du sang-froid. Là, en plus, ouais, voilà, c'est difficile dans la panique comme ça de bien faire une relance propre. En plus, moi, voilà, j'ai tendance à un peu trop jouer la relance propre. Et là, en plus, en fumant, voilà, c'est quand même délicat. On va, voilà, pour cette première mi-temps, on va passer les stats parce qu'il y a pas grand-chose à voir. C'est un peu balancé. Balancé dans le tas, c'est pas forcément terrible. Ne pas le laisser partir, lui. Bon, voilà, là, Manchester City, pardon, qui est en confiance, hein, clairement. Mais, allez, Ah, il peut pas tirer, là, je l'empêche bien de tirer. Voilà, toujours essayer de se mettre de toute façon. Entre l'axe du but et voilà, dans ce genre de position en tout cas pour vraiment éviter la frappe. Voilà, ça joue bien, mais voilà la dernière passe. Plus on va s'approcher de la défense, plus forcément les espaces vont être restreints et ça va être difficile de. La passe va devoir être beaucoup plus précise. Quand voilà, les lignes sont plus resserrées, là, la marge d'erreur elle se restreint forcément. Ça c'est bien fait, j'y reviens, mais. Oui, alors il a perdu la balle, je sais pas. Ah, il est hors jeu. C'est dommage parce qu'elle était pas mal celle-là. Malheureusement, c'est toujours pas mal quand le joueur est hors jeu, forcément. Gervinho, là, il me semble chaud. Alors, on a chauffé un peu le Walcott là. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner dans l'axe et ça, c'est dangereux. Parce que les contre-attaques dans FIFA 13, hein, ça fait très très mal. Bon, là, ça va, c'était mal négocié par l'ordi. Ça lui arrive aussi, hein, quand même. Oh, c'est bien ce qu'il fait là. Allez, il va leur mettre la tête là. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage. En deuxième mi-temps, l'ordi a tendance toujours à baisser un peu de pied quand il mène. Il a tendance à plus jouer défensif. Que je devrais peut-être aussi jouer offensif. Pour l'instant, je vais pas le faire. Encore attendre un peu parce que on n'est pas à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'ailleurs d'un but. Attention, ouais, je savais, j'ai mal. Je savais déjà avant qu'il fasse le geste que j'avais fait ça et que c'était dangereux. Bon. Allez.
Ah non, bah là ça, non, ça va pas, ça. Ça sert à rien. C'est pas grave. C'est pas une mauvaise balle, ça. Oh là 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 là. Attention. Dès que je récupère là, je passe à l'offensive. Attention les pieds. Il leur dit en plus lui. Oh là là non, ça me tue. Voilà ce qui me tue. Ça tue le match là. Ouais mais voilà, l'ordi il gère trop bien ce genre de situation. Lui il est jamais perdu. Nous on a les yeux partout qui regardent. Voilà, lui il fait l'appel là, l'appel là, l'appel là, l'appel là. Lui il comprend tout. Hein. Il n'y a même pas de souci. C'est là toute la difficulté. Aïe 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 aïe, je voulais lui donner vraiment au dernier moment et. C'est les prises de risque, les passes comme ça, elles sont assez difficiles. Et en fuma, c'est délicat. Voilà, c'est une belle récupération. Ça, c'était bien joué encore. Allez, là, faut du mouvement. Walcott, je vais essayer de centrer bien. Ah non, bah voilà. Laisse tomber. Dès que j'y centre, je centre bien. Voilà, forcément. Bon, allez, on va. Ouais, j'avais dit que j'allais jouer en offensif. On va jouer même en ultra offensif. À 2-0, je crois que de toute façon, c'est un minimum. Hein. Oula, il aime bien faire l'ordi souvent. Faire une passe là, à son joueur au milieu. Qu'on peut parfois profiter d'un mauvais contrôle du défenseur. Là, il y aurait peut-être du foot quand même. C'est pas grave. C'était parfait ça. Là là, dommage qu'il n'ait pas eu celle-là parce que il semblait partir et je vais jouer hors jeu, mais de toute façon. Ah non, j'aurais pas dû lâcher, je suis bête. Oh là 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 là, eh oh oh! Oh 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 oh! Bon joueur qui a volé, mais à 3 km. Petit défaut quand même de l'Impact Engine. Ah, ça c'est dur les frappes comme ça. Quand on est un peu excentré, vraiment tirer dans le cadre en fuma, c'est vraiment difficile. Quand on est dans l'axe, ça peut aller, on peut gérer la trajectoire. Enfin, après, ça dépend de notre position, mais il y avait peut-être faute là encore. Hein. Bon, c'est un match à l'anglaise de toute façon. Alors, il va falloir imposer le physique là. Pas non plus trop se jeter là. Allez, c'est fini, voilà. Bah, j'aurais pas marqué, je suis un peu déçu. Une prestation moyenne. Pour ce genre de match, mais voilà. Pas évident. Et puis c'est mes premiers pas, on va dire, en tant que. C'est pas mon but de devenir
pur fuma, mais voilà, de temps en temps c'est pas mal, c'est sympa. Je fais un peu des deux, quoi. Voilà. Donc, je remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura au moins fait sourire, parce qu'il n'y avait pas forcément de quoi s'extasier. Néanmoins, on va vite se retrouver. Je compte bien reprendre ma revanche par rapport au Citizen. Voilà, c'était Casemus. Ciao, ciao.